Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de remercier le chauffeur du bus et de finir dans le top 25. Donc pour réaliser ce défi, vous allez lancer n'importe quelle partie en solo, duo, section ou trio, en construction ou sans construction, peu importe. Ensuite, ce que vous faites, c'est que quand vous êtes dans le bus, moi, je dois appuyer sur la flèche du bas pour remercier le chauffeur de bus. Donc, regardez dans vos touches, hein, si vos touches, dans vos paramètres de touche, si votre touche flèche du bas et votre touche d'émote. Parce que là, regardez, je fais une émote et regardez bien à gauche, il va être marqué soit cool à remercier le chauffeur du bus. Donc, je fais genre une émote, donc flèche du bas, et il est marqué soit cool à remercier le chauffeur du bus. Donc, quand ceci est fait, vous attendez le fin du compte à rebours d'être éjecté du bus. Parce que là, le but, c'est de faire un top 25. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de perdre le maximum de temps en l'air. Donc voilà, vous lancez. Regardez, même lui, je pense qu'il est en train de faire la même chose que moi. Enfin bref, vous restez en l'air. Et à un certain moment, vous allez viser une zone bien précise. Mais vous allez attendre que la première zone soit là pour décider de la zone où vous allez aller. Parce que vous allez devoir finir dans le top 25 et vous allez devoir répéter cette étape deux fois parce qu'il faudra le faire deux fois. Donc il faudra... Donc moi ce que je vous conseille c'est de rester en l'air jusqu'à temps qu'il y ait la première zone qui s'affiche. Et dès que la zone, donc dans 25 secondes, est affichée, ben, vous allez au centre de la zone. Donc je vais me diriger quand même vers le milieu de la map, hein, je vais m'avancer. Au cas où ben, la zone serait dans la zone désertique pour que je puisse avoir le temps de m'y rendre si jamais. Donc voilà, regardez, en plus de ce fait, ben, c'est que ça tombe, la zone tombe dans la zone désertique. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de cette zone et je vais choisir un emplacement où je pense que personne n'ira voir ou n'ira chercher. Et je vais me cacher dans cet emplacement pour faire mon top 25. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous cacher pour réaliser ce défi. Moi, je vous montre une astuce. Donc voilà, c'est ma principale unité de ma chaîne YouTube, c'est de vous présenter des astuces. Et bon, si vous savez jouer et faire le top 25, bah, vous faites le top 25 au KLM. Hein. Même si vous vous cachez, c'est pas pour ça que vous savez pas jouer. Hein. Je dis pas ça, hein. Je dis juste que voilà, la facilité, c'est d'aller se cacher quelque part et d'attendre le top 25. Donc là, regardez, il reste déjà 68 joueurs, 67 joueurs en vie. J'ai même pas encore posé le pied par terre sur la map de Fortnite que quasi la moitié des joueurs est déjà mort. Donc c'est déjà une magnifique astuce, ça. Donc là, moi, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller me cacher ici. J'ai vu qu'il y a une sorte de... C'est le bras du robot, justement, du mecha. Je vais aller me cacher dans ce bras-là pour le fin de la partie. Voilà. Je vais surtout pas près des villes. Je vais ouvrir les coffres, prendre les armes. Tout ce qui est apparent, je vais le prendre pour pas que quelqu'un soit attiré par quelque chose qui brille. Donc là, par contre, il y a un buisson. Je vais le prendre aussi pour surtout pas que le mec y vienne. Donc, je peux pas prendre son fruit, donc je vais tout simplement casser son arbre et là je vais récolter tout ce qui est aux alentours de ma cachette pour n'attirer aucune personne. Donc voilà, là j'ai pris tout ce qui était de brillant. Alors je pensais que je pouvais me cacher en dessous du bras, enfin dans le bras, mais je vois que je ne peux pas me cacher dans le bras. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher dans la maison qui est juste là. Donc je vais me cacher dans le coin, voilà, juste ici, et je vais attendre qu'il reste 25 joueurs pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc dès que j'arriverai à top 25, donc dès que vous ferez ça, une fois, il faudra le refaire une deuxième fois. Et dès que vous l'aurez fait deux fois, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.